Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Révélation. Tout d'abord, je vais commencer par m'excuser pour l'épisode d'hier, où mon enregistrement a complètement déconné. Alors moi le problème c'est que j'entendais bien le jeu, malgré le fait que je sois sur la projection OBS, donc je sais pas trop pourquoi ça a été encodé comme ça, et ce qui s'est passé. Et donc pourquoi j'ai pas eu le son comme ce que moi j'entends. Normalement, j'ai refait les tests, ça a l'air de fonctionner. Donc je sais pas trop de quoi c'est venu, j'ai juste redémarré le PC et redémarré OBS pour faire fonctionner ça. Voilà, bon allez, en tout cas on va reprendre un petit peu. Aujourd'hui j'ai dit qu'on allait essayer d'aller chercher un livre supplémentaire, enfin une clé supplémentaire pour Massiaf sur le souvenir de Sophia qui se situe à cet endroit là. On va donc se téléporter sans doute ici, ce tunnel là, et nous on est là. Et il va falloir que j'atteigne le tunnel qui va être juste ici. Donc bah, si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, parce que c'était compliqué à regarder, ce que je comprends tout à fait. On a repris la mission principale un petit peu pour avancer et tuer en fait le janissaire qu'on pensait qu'il avait trahi le prince. Mais on a appris en fait que c'était pas le cas, il cherchait à s'attaquer aux Templiers. Donc on a tué une mauvaise personne, on s'est trompé dans nos informations. C'est la première fois je crois dans la série Assassin où je me trompe en fait dans ce que je pense des gens. Parce que Ezio pense des gens. On a essayé aussi de défendre un repère d'assassin. Ça s'est pas bien passé, on l'a perdu. Et alors maintenant, je vais aller là plutôt, Sainte-Sophie. Alors je sais plus si j'avais ouvert ou pas avant les magasins qui étaient dans cette zone là. Mais en tout cas ils sont beaucoup beaucoup plus chers maintenant. Donc je sais pas trop si c'est dû à ça ou non. Mais les magasins on va mettre un petit peu de côté pour le moment. On va essayer de faire un petit peu des monuments. Je pense que des magasins on en a ouvert pas mal. D'ailleurs s'il y avait un forgeron pas très loin et un médecin il y en a un juste à côté. Donc ça c'est cool. On va lui racheter des remèdes parce que j'ai plus grand chose sur moi. J'en ai dû viser pas mal. Au revoir. Alors, nous on souhaite aller là. Et un forgeron juste ici pour réparer avant. Eh, n'oubliez pas de manger des légumes, hein? Donc on va commencer par le forgeron pour faire réparer l'armure. Si je puis me permettre, une petite touche de soie m'éclaire. On a le libraire ici et on doit avoir le forgeron quelque part par là, ici. Vous trouverez uniquement des... Et on va tout réparer. Allez, on est reparti. Ça reste de l'argent, n'est-ce pas? On va aller chercher la suite des clés de Massiaf. Je sais plus trop où j'en suis arrêté, ça fait un petit moment que j'avais pas joué jusqu'à hier. De choses. Alors, a priori, il va falloir prendre un bateau, j'ai l'impression. Parce qu'on se dirige vers le port. Ah, on peut peut-être essayer d'aider ici un nouvel assassin. Enfin, pour recruter un nouvel assassin. Relâche-le immédiatement. Voilà, ça c'est fait. Ne perdez pas espoir face à cette violence. En unissant nos forces, nous ferons entendre notre voix. Comptez sur moi. J'ai toujours voulu me battre pour servir une cause juste. Bienvenue à toi.
Alors. A priori, on va prendre le bateau. Et on va donc faire la tour de la fille. Les polos ont laissé un indice qui a mené Ezio à la tour de la fille. Fouillez la zone, mais soyez prudent. Il faut obtenir la clé sans tomber dans l'eau pour avoir la synchronisation totale. Alors, il va falloir fouiller le phare. Trouver le moyen d'accéder aux salles inférieures de la tour. Ok. Pas mal de choses sous ce phare. Ok, il y a un chrono. Alors, il va falloir résoudre l'énigme. Ah, bon. Raté. C'était évidemment pas ce que je voulais faire. Je voulais qu'il s'accroche à l'échelle. Bon, c'est pas grave. Ok, ça a ouvert un nouveau truc avec un chrono. Par où je passe là par contre? Par là sans doute.
Non, bon. Alors, raté pour cette fois. Ok, il va falloir comprendre la logique par où on passe pour pouvoir rejoindre déjà la... L'endroit, est-ce que c'est par celui-là qu'on commence déjà? C'est pas sûr non plus. Là que j'aurais dû passer tout à l'heure sans doute. Alors, faut que je passe là. Et après, comment je rejoins cette partie là? Ah, c'est par là qu'il faut que je monte. Ok. On retente. D'accord, ça va nous permettre là, hop, 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 et voilà, ok, celle-ci c'est bon. Ça va, celui-là était pas trop dur. Alors, je suppose que ça doit être la dernière. Non, raté. Bon. Alors.
calme, ça va être juste. Bon, c'est raté. Pour cette tentative, on va recommencer. À nouveau. Ok. Bien, et il ne restera plus qu'à remonter tout là-haut pour récupérer la clé. Où est-ce que tu vas là? Ouch. Allez, retente. Alors d'abord les coffres. Et on va pouvoir récupérer la clé de Massiaf. Voilà, c'est la quatrième sur les cinq. Il nous en restera une dont elle me semble qu'elle doit être aux mains des Templiers, si je me rappelle bien. Alors, on est ici. Je vais commencer par aller à la banque.
Pour retirer de l'argent, on doit en avoir sans doute. Pas la bonne route. Arrêtez ça! Qu'est-ce qui vous prend? Vous devez m'aider! Oh, Jim! Ah, j'ai pas d'argent dans le coffre. D'accord, ça fait 2 épisodes et j'ai toujours rien, ok. Aucun problème, je serai là en cas de besoin. Bon. Bah écoutez, vu qu'on n'a pas d'argent, on va aller faire le souvenir d'Altaïr. On n'est pas très loin en plus. Ah, bonjour. J'ai juste à aller payer le parleur ici pour diminuer un tout petit peu ma notoriété. Qui revenait des cons. Que vous preniez soin de votre santé, mon ami. Hop, pardon. Je rentrais tout seul. Hé, faut-il que j'appelle là-bas? Allez, c'est parti, du coup, on va faire le souvenir suivant. Ils disent qu'il hurle dans son Le retour sommeil, du mentor. Qu'il appelle son père. Abbas, quel misérable vipère. Ce n'est pas à nous de juger. Mais bien au contraire. Si notre maître est fou, nous devons le savoir. Chut. Bonsoir. À boire. Bien sûr. Assieds-toi. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'amène ici, vieillard ? Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin, tant sa famille l'a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. C'est notre mentor. Et au contraire d'Al-Mualim ou Altaïr, lui ne nous a jamais trahis. Mensonge ! Altaïr n'était pas un traître. Il a été chassé, injustement. C'est toi ? Il y a eu des rumeurs, mais je n'y ai pas cru. Je me demande si Abbas accepterait de me parler. Cela fait si longtemps. Impossible. Abbas utilise les Fedaïn pour nous tenir loin du château. Moins de la moitié des guerriers sont de vrais assassins. Alors, comment dois-je m'y prendre ? Nous t'aiderons. Alors, le retour du mentor Altaïr est de retour à Massiaf après 20 ans d'exil qu'il s'est imposé. Rassemblez vos alliés et éliminez Abbas. C'est parti.
Vous dites que ces hommes sont cruels. Leur arrive-t-il de s'en prendre aux innocents ? Hélas, oui. Seule la brutalité semble les satisfaire. Alors ils vont mourir, car ils ont bafoué nos principes. Mais ceux restés fidèles à notre credo seront épargnés. Tu peux nous faire confiance. J'ai entendu ces histoires qu'on raconte au village. Alors, il va falloir tuer le capitaine sans alerter les autres gardes. Il paraît qu'un vieil assassin a sauvé la vie d'un marchand dans la vallée et qu'il s'est servi d'une lame secrète. Des rumeurs, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, pas un mot à Abbas. Il se sent déjà assez persécuté. Ah oui, oula, d'accord, j'ai plus de force par contre. Je suis vraiment un Altaïr très ancien. Va-t'en dit. Ok pour eux. Le suivant. Altaïr est ici. Au village. Il faut l'annoncer au château, tout de suite. Assassin ! Avec moi ! Alors, où est-ce qu'ils sont partis ? Bienvenue. Veux-tu qu'il se fasse tuer ? Là ! Tu es cette traître ! Non ! Je ne veux pas être mêlé à cet artefact ! D'ailleurs, je m'en vais ! Rien du tout ! Misérable chien. Prends. Suivez-moi à la forteresse. Ne tuez qu'en dernier recours. Ok, encore un de fait. Oh, je n'ai rien à voir avec tout ça. Ouais, il commence à être vraiment âgé, Altaïr, hein. À mort. Bon, synchronisation ratée, c'est pas très grave. Altaïr, deux décennies se sont écoulées depuis que tu as franchi cette porte. Nous avons besoin de ta sagesse. Plus que jamais. Alors, il va falloir trouver Abbas et l'abattre. On va laisser les autres assassins se charger des gardes. Ah bah, allez-y, poussez-moi, c'est pas grave. Qu'attendez-vous ? Imbécile ! Il vous a ensorcelé ! Notre mentor est revenu. Mes respects, okay. Mentor. Tous les autres assassins nous laissent passer. Je combats pour toi. Le voilà ! Pour notre ordre. Altaïr, nous t'attendions. Sois le bienvenu. Traître, tu vas mourir. Ensemble pour la victoire, mentor.
Très bien, ça va. Ça va être à moitié infini en plus. Sois le bienvenu, Mentor. Dis à tes hommes de se rendre. Non. Je dois défendre Massiav. Ne ferais-tu pas de même? Tu as corrompu tout ce qui nous était cher et perdu tout ce que nous avons gagné. Tu as tout sacrifié sur l'autel de ta rancune. Et toi? Tu as perdu ta vie à contempler cette pomme, préoccupé par ta seule gloire. C'est vrai, Abbas. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort. Sur le passé et l'avenir. Laisse-moi te montrer. D'accord, on la bat comme ça. Ok. Je te haïrai toujours, Altaïr. Pour tes mensonges sur ma famille, sur mon père, les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais 10 ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang couler à mes pieds. Jamais je n'oublierai cette image. Non! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai. Et je saurai. Enfin, la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. Ok, voilà, on a fini la mission pour avec Altaïr. Et il va nous rester donc seulement une clé à trouver. Il a continué à se battre pour maintenir l'unité de notre ordre. Dans ma jeunesse, je l'aurais pris pour un entêté, mais aujourd'hui j'admire son courage. Les assassins étaient toute sa vie, et il n'a vécu que pour eux. Voilà, et puis bah du coup nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a terminé cette mission pour récupérer une nouvelle clé de Massiav. Il nous en reste encore une à trouver. Je pense que ça, ce sera au chapitre suivant. Donc bah, la prochaine fois, on reprendra l'aventure principale qui se situe ici, au niveau du château du prince. Donc on verra ça demain. J'espère en tout cas voilà, que cet épisode vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine.